Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté, écoutez. Alors, on pouvait lire dans nos journaux il y a quelques jours qu'une étude du Colby College du Maine nous explique que Hollywood ne tiendrait pas compte suffisamment des changements climatiques dans ses productions. J'avais une impression contraire. J'avais l'impression de n'entendre parler que de ça, que les films catastrophes sur les changements climatiques s'étaient accumulés avec le temps. Mais on nous dit ça. Donc, pour, ces, pour avoir un regard, je dirais, éclairant et contrasté par rapport au discours ambiant, je me tourne vers Arthur de Vatrigan, qui, je le dis tout de suite, Transparence est un collègue, un ami, on travaille ensemble sur CNews, mais qui est par ailleurs un excellent critique cinéma et qui nous éclairera sur cette question est-ce qu Hollywood fait son travail en matière de changement climatique Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, question euh, première. Bah, con... J'avais je... oui. est 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 qu l'impression que les films s'étaient accumulés pour nous dire que le monde courait à la catastrophe climatique. Et là, on nous dit que ce n'est pas le cas. Votre premier regard devant cette étude. Bah, heureusement que j'étais assis quand j'ai lu euh, le papier, parce que je, je tombais littéralement de ma chaise. Euh, depuis, si on regarde juste d'un point de vue historique, depuis le début des années 2000, euh, on va l'appeler comme ça le climato-pessimisme c'est devenu un objet cinématographique, mais un vrai objet, et euh, pas dans les petits films indépendants, dans la production hollywoodienne pécissent beaucoup d'argent dans les budgets, et en plus, c'est suivi par les spectateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la production sur ce sujet-là, et en plus, les spectateurs vont le voir. On peut parler d'Interstellar, évidemment, d'Avatar, euh, il y en a quatre qui vont, euh, qui vont suivre les deux premiers, il y a Elysium aussi avec Matt Damon, on peut remonter même à la, Une vérité qui dérange, rappelez-vous le documentaire euh, d'Al Gore, qui a eu l'Oscar du meilleur euh, documentaire en 2006, il y a Le jour d'après, il y a 2012 de Roland Emmerich, on peut penser à Mad Max aussi dont le dernier Furiosa est sorti à Cannes cette année. On peut même remonter un peu en arrière avec Judge Dredd avec Stallone, bon, un nanar magnifique mais qui parlait de dérèglement climatique qui qui crée une société nouvelle, on peut parler de Blade Runner, on peut parler de Soleil on peut parler de Waterworld. Les films, sérieusement, il y en a une palanquée. Euh, et d'ailleurs si on remarque dans l'évolution de ces derniers films, c'est que le héros c'est plus le Bruce Willis, ce gros bras increvable et chevaleresque, c'est devenu un scientifique. Donc non seulement le sujet euh, du climat est un sujet de film, mais en plus ils ont même transformé euh, le, la figure du héros, qui est devenu un scientifique. Et donc, euh, si vous voulez, il y a, y, a, y a trois catégories de films, trois genres de films, c'est vous dire à tel point si le sujet est devenu important, parce qu'il y a trois genres de films. Vous avez le genre catastrophe, le genre dystopique, et vous avez le genre post-apocalyptique. Alors, catastrophe, c'est bon, catastrophe naturelle, on essaie de se sauver, c'est le jour d'après, c'est 2012. Le dystopique, c'est on crée une, une société un poil en décalage, c'est Snowpiercer, euh, rappelez-vous ce, ce film où on, on est en 2031, on est dans une ère glaciaire et les derniers survivants sont dans un train, euh, espèce de train gigantesque qui ne cesse de tourner autour de la Terre en permanence. Et vous avez également Don't Look Up qui est sorti sur Netflix en 2021, euh, qui est une satire avec Leonardo DiCaprio, euh, et puis après si vous avez le post apocalyptique ben là vous avez Mad Max vous avez lesium vous avez Waterworld. Euh, alors ce qui est intéressant de noter c'est que euh, déjà c'est pas nouveau comme thématique. On peut remonter jusqu'à 70 qui sont d'ailleurs euh, 1970, on est dans les premiers euh, éléments médiatiques et politiques où le sujet climatique devient un sujet politique. Et là, on peut penser évidemment à « Soleil vert » de Richard Fleischer, sorti en 1973 avec Charlton Heston. Euh, ou encore euh, à « New York ne répond plus », bon, ce qui était une grosse production à l'époque et qui, rétrospectivement, est quand même un très mauvais film. Où il y avait une espèce de brouillard géant qui englobait la Terre et New York était, euh, était devenu un lieu où les nantis pouvaient, pouvaient survivre. Mais quand on voit tout le point commun de ces films de 70 à aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas frappés d'optimisme. Donc c'est quand même un peu euh, baroque de dire oui euh, le, le sujet du climat n'est pas un sujet euh, donc non seulement c'est pas vrai parce que je vous ai fait la liste mais en plus quand c'est un sujet j'ai jamais vu un film di disant euh, célébrant le dérèglement le réchauffement climatique c'est toujours catastrophique c'est toujours un, un nouveau monde qui se met en place où vous Mathieu moi personne n'a envie d'y vivre honnêtement euh, alors il y a il y a des petits changements euh, c'est que au fil des temps le, le scénario qui mettait en scène le, ce fi, ces films, c'est-à-dire hein, ce nouveau monde, euh, au départ, on était dans un monde assez éloigné. Soleil vert, ça, ça, ça commence en 73 et ça projette un film en 2022. Euh, New York euh, ne répond plus, on est en 75. Ça, ça, on parle d'une société qui est en 2012, donc on est 40-50 ans. Aujourd'hui, les films euh, climato-pessimistes, qu'elles soit une dystopie, que ça soit une apocalypse, que ça soit un film catastrophique, on est soit au temps présent, soit dans dix ans. C'est-à-dire que l'urgence, depuis 20 ans, elle est là. Elle est là, elle est présentée comme telle et justement se veut être un message d'alerte en disant, regardez, si vous ne changez rien, bah, ça va être la catastrophe vous allez tous finir cannibales, congelés, ou encore pire, vous allez finir avec, euh, avec une espèce d'onde de, de, nucléaire et euh, il n'y aura plus que la, les os et plus de peau et plus de muscles et plus rien. Donc, ce qui n'est qui est pas très sympa. Euh, donc c'est vrai que cette, cette étude est assez surprenante, pour pas dire malhonnête. D'autant plus alors, que vous ignorez peut-être de le savoir, c'est oui, oui. que vous avez à Hollywood depuis quatre ans un sommet Hollywood pour le climat. Vous avez euh, qui rassemble toutes les stars du showbiz. Qui, comme chacun sait, voyage en vélo et euh, se transporte en canoë d'une planète à l'autre, euh, et avec évidemment les, euh, les, 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 les les scientifiques, les militants. Euh, le, donc la prochaine va être cet été. L'été, la précédente étant en juin 23. Le principe étant de dire Hollywood, il faut que vous vous empariez de ces sujets-là donc personne ne parle évidemment, parce qu'il faut influencer politiquement les luttes. Il faut vraiment seringuer le, le pauvre spectateur, le pauvre américain moyen qui comprend rien, pour lui faire comprendre que c'est vraiment important. Non, mais alors, je vous pose la question, si effectivement votre, votre description est assez est assez exhaustive, donc qu'est-ce qu'on doit comprendre par là Qu'on est devant des gens qui souhaiteraient en fait que le cinéma du de passe du réalisme socialiste d'hier, hein, qu'on connaissait en URSS, à une forme de réalisme, éco, pas réalisme, mais éco-pessimisme éco revendiqué pour éduquer clairement la population sur le mode d'une propagande décomplexée Une demande finalement de lobby qui veulent idéologiser le cinéma Mais à vous entendre, c'est déjà le cas. Des... Alors, c'est déjà le cas, oui et non. Après, le, 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 le dérèglement climatique, le réchauffement climatique est un contexte fort sympathique pour parler de vrais sujets. Quand vous retrouvez donc sûr. vous mettez en scène un monde où il n'y a plus d'eau, où il n'y a, a que de l'eau comme dans Waterworld, où il n'y a plus d'eau comme dans Mad Max, bon déjà, ça permet de remettre euh, l'église au centre du village, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, en fait, tous les sujets modernes ne deviennent pas intéressants. Hein. Je vous entendais de parler de Papa 1, Papa 2, Maman 3. Bon, quand vous avez plus que la fin du monde et des cannibales, je vous promets que finalement tous ces sujets-là, finalement, c'est pas important. Euh, donc c'est intéressant d'avoir ça comme contexte parce que ça permet de parler de sujets universels, de la parentalité, de comment dans, euh, survivre dans un monde affreux, comment sauver ses enfants, euh, comment construire sa cabane, comment survivre. Le contexte est sympathique et ça nourrit tout l'imaginaire. Mais je veux dire ça existait déjà dans la littérature au 19e siècle, au XVIIIe, c'était pas voilà euh, Victor, euh, Victor Hugo, Jules Verne en parlait aussi. C'est toujours été un contexte intéressant. Mais là, en effet, il faut encore alors, si, vous, si je reviens à cette sommet du, 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 du Hollywood pour le climat, ils sont très clairs, ils disent, il ne faut pas faire dystopie, il ne faut pas parler de post-apocalyptique parce que c'est trop loin, donc les gens sont complètement stupides et donc vont pas prendre ça au sérieux. Donc en fait, il faut expliquer que le problème, il est maintenant. Il faut vraiment inciter à. Donc en effet, on n'est pas sur une mise en contexte et pas sur un art cinématographique, mais on est sur euh, de, de, une perfusion d'idéologie en intra-rétine. Si on va vous le mettre pendant deux heures euh, et pour vous de ça en disant oui, il faut que j'arrête, je vais manger du quinoa, j'ai coupé la lumière et je vais me balader en vélo. C'est vraiment ça. Mais d'ailleurs dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent un film en disant il y a un film qui sort du lot qui est vachement bien, c'est Don't Look Up d'Adam McKay. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le déconseille, oui. euh, pour rappel il est sorti en, 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 en hiver 2021, Netflix, grosse production, il est présenté en fanfare, d'ailleurs à l'époque toute la presse avait été unanime, généralement quand c'est unanime à ce point là ça sent un peu lon il faut se méfier, euh, et bien écoutez, euh, 2h28 de mémoire avec un gros budget, pour avoir un petit film mal filmé, mal fagoté, euh, avec des plans ultra stabilotés et aucune invention, c'est-à-dire l'art est complètement laissé de côté pour la propagande. Donc l'étude nous dit, ce film-là, c'est le film qu'on veut voir. Bah, en fait, non, on n'a pas envie de voir ça, c'est juste affreux euh, finalement. Euh, on est encore une fois dans la propagande pure. Alors, faut savoir que ce film s'adressait essentiellement, euh était fait pour les Américains, de toute façon les Américains, ils pensent soit euh, je diffuse en dehors de mon continent, c'est pour montrer à quel point on est beau, grand et fort, soit je diffuse à l'intérieur euh, de mon continent, c'est-à-dire aux jeunes Américains, pour leur montrer à quel point nous sommes moches, ringards et Rabourguy, il faut qu'on change l'autre monde Bon, euh, là, quand on regarde ce film-là, on se dit 2h28, on a le temps de faire un truc un peu équilibré, un peu fort. De, de faire réfléchir les gens. Alors que dalle, pas du tout. c'est Là, vous avez, selon euh, Mackay, vous avez deux clans, vous avez les gentils qui sont les scientifiques et puis vous avez les méchants, alors c'est tout le reste du monde. Il euh, y a les scientifiques gentils, tout le reste c'est des méchants, les républicains, les, les populistes, les guerre les ploucs ceux qui consomment. Bref, mais ce qui est assez agaçant quand on regarde ce film-là et quand on regarde ces études, c'est depuis 30 ans, euh, une grande partie de leurs productions qui sont externalisées servent à exorciser un peu leur période rigane, si vous voulez. quoi C'est-à-dire qu'ils prennent leurs spectateurs pour leur psy, sauf que le psy, il paye pour les entendre parler, faire leur acte de contrition, ce qui est assez désagréable. Donc, quitte à demander pardon, on pourrait leur dire, bon, bah allez à l'église, c'est gratos, et, et puis, euh, surtout, ce sera, à mon avis, plus efficace. quoi Donc, on a, on a quand même un problème avec ça, c'est que euh, on, on est plus sur du, de l'art, c'est-à-dire... Euh, de la forme, la mise en forme de l'esprit, mais on est sur la propagande, quoi. Et c est, c est, ça dure jamais longtemps d'ailleurs un film de propagande. Et, et nous reste à peu près une minute. Le film, dans tous ces films éco anxieux, éco critique, écolo, ben, on voit l'idée, lequel d'entre eux est le meilleur film Lequel est un véritable objet d'art qui mérite d'être vu ou revu ben, Soleil vert et euh, brillant. Et en plus, ça a des sujets d'actu euh, encore plus d'actualité aujourd'hui. La question, c'est on n'est pas, est, on est trop nombreux, on peut pas survivre comme on fait. C'est une question euh, qui est assez large et qui englobe plein de sujets politiques aujourd'hui. J'aime beaucoup Interstellar parce que c'est le c'est le plus beau film. Il y a plein de ratés dans le film même, mais c'est le plus beau film sur la parentalité. C'est qu'est-ce qu'il y a de père dans un monde apocalyptique Et c'est généralement un sujet qui n'est pas euh, qui n'est pas évoqué et enfin un Manmax parce que je trouve que George Miller à 80 ans euh, et, et encore euh, très très jeune encore plus jeune que Scorsese si vous dire euh, si vous dire s'il a l'avenir malgré ses 80 ans Arthur de Matrigan, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect l'excellent magazine L'Incorrect à la une euh, ce, ce mois-ci euh, Michel Welbeck le grand rabbin de France et un curé catholique pour discuter ensemble notamment de l'euthanasie alors c'est un plaisir de vous re recevoir merci à vous Merci Mathieu.